À la recherche de la vérité, nous revoici ici à l'ouest de la capitale Kinshasa pour essayer de comprendre un sujet qui nous préoccupe un peu plus, hein, l'Église et la nation, l'État, au centre de préoccupation de l'Église, hein, de l'Évangile du Seigneur. Nous sommes venus rencontrer encore une fois cet homme de Dieu responsable de la grande communauté dénommée Famille Genèse. Il s'agit du patriarche Emmanuel Mwepu, prophète et pasteur, avec qui nous allons essayer d'aborder ces questions. Hein, comment évolue l'actualité? Quel est le regard de cet homme de Dieu qui est prophète du Seigneur? Quelle est la parole, la pensée du Seigneur? Quel est l'ainsi dit le Seigneur? Et aussi, nous allons parler de ces 50 jours de prière pour clôturer l'année 2020 qui a été déclarée l'année de l'action par le numéro 1. Le premier citoyen de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et voilà, nous sommes là, dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité. Et nous nous engageons déjà dans cet entretien avec l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Merci de nous accueillir encore une fois chez vous pour parler de ces sujets, hein, donc l'Église et la nation, toujours dans cette démarche où nous voulons un peu comprendre la volonté du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, l'Église qui, surtout, hein, votre communauté évangélique et pentecôtiste, qui est représentée au sommet de l'État par l'Église de Réveil du Congo, et qui a été un peu bouleversée. Alors voilà, nous sommes là, de retour chez vous en tant que serviteur de Dieu et prophète qui a l'ainsi dit l'Éternel, pour essayer un peu d'avoir quelques informations auprès de vous. Et d'entrée de jeu, quelle est votre lecture après avoir observé l'évolution, la marche du pays et surtout parallèlement avec la marche de l'Église et spécialement, particulièrement l'Église de Réveil. Mais comme vous connaissez très bien, l'Église n'est pas encore enlevée au ciel, l'Église est sur la terre. C'est que d'emblée les choses ne marchent pas dans notre pays. Les choses sont claires, il faut que vous soyez au ciel ou bien sur une autre planète pour ne pas être au courant que les choses ne marchent pas. Donc en fait, c'est dans ce même démarche que Dieu donne toujours une pensée à ses serviteurs, il donne une pensée aux enfants de Dieu, que devons-nous faire? Parce que lorsque les choses ne marchent pas, la Bible dit clairement, le jour, on dit, les jours de bonheur, réjouis-toi. Mais quand il y a les malheurs, il faut faire quoi? Il faut réfléchir. C'est la raison pour laquelle, d'emblée, je pourrais dire que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas, ça c'est selon votre lecture, votre regard sur le fait. Alors, que pense le Seigneur, l'Éternel, votre Seigneur, celui qui vous a donné, confié la mission évangélique ou prophétique, que pense-t-il? La pensée de Dieu pendant ce temps, c'est que la Bible déclare, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Lorsque le peuple se mettra ensemble, au fait, c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. Au fait, les Congolais, parce que nous sommes en train de parler de notre nation, on ne vit pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Lorsque le peuple se mettra ensemble, Dieu donnera toujours une bénédiction parce que c'est l'obligation. Voyez? Et dans ce terme-là, d'être ensemble, ce n'est pas seulement physiquement. Le cœur doit être pur dans tout ce qu'on doit faire. Et parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que le non soit non. Au fait, quand tu dis non, cela ne signifie pas que tu n'es pas avec nous. Et quand tu dis oui, cela ne signifie pas que tu es avec nous. Donc, au fait, il faut que le Congolais se mette ensemble et la bénédiction de l'Éternel se manifeste. Mais lorsque, parce que vous dites que les Congolais doivent se mettre ensemble, oui, déjà nous sommes dans un même pays, le même Congo, ils ont encore Moko, malgré Bazulu Kabakabola, on croit déjà que personne n'arrivera au bout, hein, de cette mission de diviser les Congolais, nous resterons indivisibles. Mais apparemment, vous-même, les hommes de Dieu, vous n'êtes pas unis. Mais au fait, c'est ce que je suis en train de dire ici. C'est de quelle unité dont on parle? Vous voyez?
C'est sur quel point de vue qu'on va parler de l'unité, parce que les choses doivent se définir. Alors, lorsque vous parlez des hommes de Dieu qui ne sont pas unis, c'est par rapport à quoi? Par rapport à leur plateforme, ou par rapport à la doctrine, ou par rapport à leur façon de voir les choses. Les choses doivent être bien définies. Nous savons tous que vous servez le même Seigneur, qui est Jésus-Christ. Dans vos églises, dans vos prédications, c'est le nom qui est plus chanté, plus prêché. On sait déjà, on sait comprendre déjà que vous avez tous un même Seigneur. Mais votre conviction, votre perception des choses, votre manière de faire les choses, ne sont pas le même, pratiquement les mêmes. Alors comment pouvez-vous unir un peuple qui est déjà diversifié par votre façon de faire? Comment unir ce peuple-là? Non, au fait, est-ce que le rôle que fait la tête, c'est le même rôle que fait la main? Non. Chacun a son rôle, c'est-à-dire que nous avons la diversité d'opérations, mais nous servons un même Dieu. C'est juste pour dire, lorsque j'exerce ma main à quelque chose, on ne peut pas faire la même chose. Chacun a son rôle. Ce n'est pas pour dire que non, le corps est divisé. Chacun a son rôle. L'Église a un rôle à faire. Et chaque plateforme, chaque serviteur de Dieu a un rôle à faire. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions atteindre le but à laquelle Dieu nous a assigné. Oui, chacun a un rôle à faire. C'est bien, hein, pendant que vous amenez les disciples à être plus fanatique de vous que de Dieu. Ah, là, ça, c'est aussi notre question. Non, non. C'est pas. C'est lorsque pas. Votre fidèle au sein de votre communauté constatera que non, mon daddy n'est pas donc n'est pas en bon terme avec l'autre daddy là. Et pratiquement, c'est déjà la division de famille. Hein. Non. L'autre fils de l'autre daddy ne voudra pas être même en communion avec votre fils à vous. Lorsqu'ils constateront que vous, les dédades, vous ne vous entendez pas. Non, c'est par rapport à l'éducation. Vous voyez, c'est par rapport à l'éducation. Au fait, si tu n'es pas d'accord avec moi, au fait, tu deviens mon ennemi. Non, non, je le répète, je dis à tout moment. Au fait, la diversité d'opérations ne nous pousse pas, ne te pousse pas d'être mon ennemi et ne me poussera pas d'être ton ennemi. Au fait, dans l'œuvre de Dieu, c'est la complémentarité. Ce que tu ne sais pas faire, je peux le faire. Là où tu t'arrêtes, quelqu'un d'autre peut commencer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tous l'appréhendent de cette manière-là? Hein, que lorsque moi, je n'arrive pas à faire ceci, Mouepou viendra. Si Mouepou n'arrive pas, Kalonji viendra. Si Kalonji n'arrive pas, Moutombo viendra. Si Moutombo n'arrive pas, Kafuta, Kakenza, Est-ce que tout le monde là, est-ce que vous tous là, vous comprenez ça de cette manière? Mais regarde d'abord, la Bible est claire. La Bible dit, celui qui s'échappera à l'épée de Jéhu, Azaël l'atteindra. Celui qui va s'échapper à l'épée d'Azaël, Élisée l'atteindra. Au fait, il y a une complémentarité. Donc au fait, si aujourd'hui nous faisons ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, sans préjudice, nous allons tout simplement dire qu'il y a deux pères qui ont commencé quelque part et ils nous ont donné le relais et nous sommes en train de courir ensemble avec eux. Mais ils ont fait beaucoup de choses et nous allons continuer parce que personne n'est éternel sur la terre. Au fait, je viens de vous dire tout à l'heure ici, c'est un problème d'éducation, un problème de compréhension. Pourquoi vous allez faire tout vous-même? Parce que la Bible n'a pas été écrite par une seule personne. Voilà l'état au centre de préoccupation de l'Église. Notre pays traverse un moment de crise, hein, qu'on le veuille ou pas, il y a crise. Au sein d'abord de cette coalition qui dirige le pays, entre-temps il y a le chef de l'État, le numéro 1 de la République, qui organise des consultations. Hein, depuis plus d'une semaine, on a vu défiler des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, par-ci, par-là. Et l'Église catholique, par ses dirigeants, ont entrepris aussi hein, quelques démarches comme ça afin de rencontrer des autorités des différentes plateformes de mouvements politiques. Vous, en tant que prophète, nous croyons déjà que vous avez l'insigne de l'Éternel. Quelle est votre lecture de ça? Et quelle est la pensée du Seigneur par rapport à tout ça? Surtout après avoir entendu les discours d'unité que vous prenez pour ce peuple congolais. Ok. On ne sera jamais puissant lorsqu'on est divisé.
Aucun peuple sur la terre sera puissant lorsqu'il est divisé. Et je peux tout simplement dire ceci. La pensée de Dieu se rassembler, parce que Dieu dit seulement « Rassemblez-moi ce peuple ». Donc lorsque Dieu dit de rassembler ce peuple, c'est-à-dire qu'il a une pensée. Mais au fait, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction de Dieu lorsque nous sommes divisés et lorsque chacun est dans son coin. Non. Donc vous êtes d'accord avec cette démarche de consultation? Mais au fait, la consultation, c'est quoi? C'est interne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai quelque chose à dire. J'ai une pensée. Et je communique avec les chefs de l'État. Mais regarde ce que la Bible déclare aussi. Venez et plaidons. Revêt ma mémoire. Au fait, si j'ai oublié quelque chose, ça c'est Dieu lui-même qui dit, hein? Viens, parlons. S'il y a quelque chose que je t'ai promis et j'ai oublié, rappelle-moi. Ah, Dieu oublie aussi. Ah, tu as compris? C'est-à-dire que Dieu aussi, il est pour la consultation. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas d'accord avec ça, pour ceux qui disent que non, c'est lui qui est au centre de crise, et surtout qu'on sait déjà que tous ces acteurs politiques sont en majorité des croyants, de ceux qui croient que Dieu est là, Dieu est vivant, et en majeure partie, ce sont des chrétiens. Alors, ceux-là qui ne sont pas d'accord avec cette démarche-là, qui disent que non, c'est lui qui est au centre de polémique, c'est lui qui est au centre de la crise, ne peut pas organiser. Vous, l'Église, qu'est-ce que vous prenez? Non, écoutez-moi très bien. La Bible est claire. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord. D'accord, c'est sur le plan de vision, la manière de faire des choses. Je viens de dire tout à l'heure ici, on doit changer la mentalité et notre façon de faire des choses. Lorsque je ne suis pas d'accord avec toi, cela ne signifie pas que tu es mon ennemi et je suis ton ennemi. Vous voyez? Mais nous avons ce qu'on appelle le fond. C'est quoi exactement que nous sommes en train de chercher? Oui. On cherche quoi? Quand on dit la consultation pour que le peuple se mette ensemble, pour le bien-être de tout le monde, où est le mal? Là où le bas blesse... Le mal parce qu'on dit que c'est hors cadre institutionnel, c'est hors cadre constitutionnel, parce que la constitution, c'est comme la Bible politique. Ah, vous avez dit c'est comme la Bible, mais elle n'est pas la Bible. Mais la Bible est au-dessus de la Constitution. Parce que tout ce qu'on a écrit à la Constitution, vous allez trouver des grandes lignes dans la Bible. Parce que, est-ce que dans la Constitution, on dit que chaque peuple doit être de son coin ou de son côté? Dans son coin ou dans son... sur une planche de divergence? Non, ça ne dit pas ça. Donc, on dit tout simplement... Moi, je donne mon apport, n'est-ce pas? J'ai dit tout simplement, lorsque... Les gens se mettent ensemble, Dieu sera avec eux. Lorsqu'un peuple est divisé, n'est-ce pas, on dit que c'est difficile de rompre deux cordes. Tu comprends? Et on dit, deux valent mieux que un. Et puis encore, on dit que celui qui s'éteint à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Donc, dans ce contexte ici, c'est que tout Congolais doit se mettre sur une table de collaboration, de partage d'idées. Là où tu n'es pas d'accord, il faut avoir le franc-parler. Que ça ne marche pas. Et la prière des hommes de Dieu et la grâce de Dieu va nous accompagner. Mais pasteur, vous, en tant qu'église pentecôtiste, évangélique, charismatique, on ne vous voit pas dans les champs. C'est plus l'église catholique, apparemment, qui, pas apparemment, c'est plus l'église catholique qui quand même entrevoit des démarches parce que l'autre frère ne veut pas participer, celui-là est mécontent, ne veut pas être là. L'église a déjà entamé quelques démarches de pouvoir contacter les uns les autres. Mais vous, l'église de réveil, l'église pentecôtiste, l'église charismatique, vous n'êtes pas présent sur le terrain. Apparemment, non, vous êtes si vous dites, comme nous autres. Non, si vous dites que nous ne sommes pas présents, c'est pas vrai. Oui, vous venez de le dire ici que vous avez vu à la consultation. Visiblement, on ne vous sent pas, on ne vous voit pas. Non, nous avons des hommes de Dieu qui ont été consultés par les chefs de l'État. Vous voyez? Vous venez de le dire dans votre introduction ici qu'il y a des pasteurs qui ont été consultés par le chef de l'État. Attends, je vais en arriver. Qui ont été invités. Oui, invités, mais l'Église aussi a été invitée. Au-delà de ça, pasteur, il y a de ses bien-aimés, de ses frères qui sont aussi vos fidèles dans l'Église, qui sont mécontents, qui ne sont pas d'accord avec cette vision, avec cette pensée du chef de l'État.
de consulter tout le monde pour créer une unité dans le pays, qui disent que non, ils ont aussi raison d'avoir leurs idées, parce que par rapport, non pas par rapport à la Bible, mais par rapport au texte qu'ils ont mis sur pied, qui est la Constitution, ils disent que non, notre bien-aimé, qu'il soit président, mais est en contradiction avec la loi mère, qui est la Constitution. Et ces prêts-là, ces pères de l'Église catholique sont allés contactez ces frères-là et vous, l'Église, vous ne fêterez, l'Église de réveil, pardon, vous devrez savoir les tout. Autres qui ne sont pas d'accord avec la démarche du chef de l'État. Mais au fait... L'Église de réveil reste toujours... Non, non, écoutez, je viens de vous dire... Non, non, je viens de vous dire tout à l'heure ici. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'Église de réveil parce que moi, je suis en train de parler en tant qu'homme de l'Église parce que vous connaissez très bien le représentant de l'Église de réveil. Ils ont la capacité de parler au nom de l'Église de réveil. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'Église de réveil. Okay. Moi, je parle au nom de ma personnalité comme étant pasteur et congolais, comme prophète de l'Éternel. Responsable de la communauté famille genèse. Responsable de la communauté famille genèse. Je ne veux pas m'engager comme étant porte-parole de l'Église de réveil. Non. Mais moi, je parle du Seigneur. Porte-parole du Seigneur. C'est là que je reste. Alors, lorsque je suis en train de faire tout simplement mon analyse, ça n'engage que moi. Je viens de vous dire tout à l'heure ici, nous tous, nous ne pouvons pas faire la même chose. Vous voyez? Si les prélats sont partis voir de l'autre côté, donc si on peut bien, pour ne pas mâcher les mots, on dit tout simplement que nous, voilà, nous avons deux camps. Pour ceux qui aiment la consultation et ceux qui ne veulent pas la consultation. Mais quel est le rôle de l'Église? Si l'Église catholique trouve mieux d'aller voir, par exemple, les sénateurs à vie, pour lui dire de ce qui se passe. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Oh, s'ils font ça, est-ce que nous sommes tous obligés d'aller le faire? Est-ce que nous sommes combien? Vous connaissez l'Église de réveil à combien de pasteurs? Est-ce une bonne démarche? Et vous savez, pardon? Est-ce une bonne démarche? Pour la paix. Pour la paix. Oui ou non? Parce on dit chercher la paix avec tous et la sanctification. Si c'est au nom de la paix, où est le mal? Je suis en train de parler très bien au nom de la paix et non au nom de la guerre. Si c'est au nom de la guerre, moi-même je serai la première personne de dire que ce n'est pas correct. Mais si c'est au nom de la paix, pour qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas le bain de sang, qu'il n'y ait pas la division de tout le peuple congolais, mais nous allons dire gloire à Dieu. Mais si c'est juste pour diviser le peuple congolais, là nous allons nous lever, nous allons dire que non, ce n'est pas correct, parce que Dieu aime le rassemblement. Dieu aime que tout le monde soit ensemble. Et c'est ça la mission de Dieu. L'unité, c'est ça la force d'une nation. C'est ça la force, c'est la fierté même d'un peuple. Alors parce que si vous avez été demandé de prodiguer quelques conseils, parce que l'État, il faut qu'on se le dise, je le répète, est au centre de préoccupation de l'Église. Parce que l'Église, c'est elle au fait qui dirige les esprits. Parce que l'État dirige les corps physiques. Mais les esprits, c'est l'Église qui gère. Parce qu'au moins, les Églises organisent des veilles de prière, des délivrances, hein, des enseignements pour nourrir l'esprit, afin que le corps soit affermi et capable d'agir dans le bien, dans le bon sens. Alors, s'il vous a été demandé, s'il vous est demandé, alors, disons, prenons ça comme ça, de prodiguer quelques conseils d'abord. Prenons les trois personnalités qui font quand même l'actualité, hein, qui sont comme à la tête de ce mouvement politique. Il y a le chef de l'État qui est là, qui dirige le pays. Il y a son partenaire à la coalition, le sénateur à vie, hein, donc le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le sénateur à vie, le prédécesseur Joseph Kabila, honorable Joseph Kabila Kabangé. Et aussi le citoyen, les cieux, Martin Fayoul. S'il fallait prodiguer un conseil, commençons d'abord par le numéro 1. Qu'est-ce que vous aurez à dire au chef de l'État pour que ce pays marche dans l'unité et dans la paix, vu sa façon de faire les choses? Le président, s'il était en face de moi, j'allais lui dire qu'il ne faut pas diriger les pays comme un diacre. La caméra même est devant vous. J'allais dire, on ne peut jamais diriger un pays comme si vous êtes un diacre. Non. Donc, vous devrez diriger le pays comme étant président de la République. Donc, comme un père. Il faut sanctionner là où il faut sanctionner.
donner des conseils là où il faut donner des conseils, prendre des décisions là où il faut prendre des décisions. Même si ça peut être dur, mais pourvu que ça puisse redresser le pays et que les choses marchent comme il le faut. Parce que la Bible dit ceci, on appelle, vous venez de le dire ici, que le président est appelé père de la nation, n'est-ce pas? Donc c'est un responsable, c'est un père d'abord. C'est qui un père? Un père c'est un responsable. Un père a le droit de cajoler ses enfants, n'est-ce pas? À un moment donné comme ça. De le châtier aussi. De le châtier. Parce que la Bible dit clairement qu'il y a de la folie dans la tête de l'enfant. Que la verge ne s'éloigne pas. Hein? Au fait, lorsque on est dans ce pays que vous connaissez très bien, qu'il y a des choses qui peuvent arriver à ce que le président prenne le fouet. Tu comprends? C'est que la Bible dit que la verge là ne s'éloigne pas. Au fait, lorsqu'il faut châtier, il faut châtier pour redresser quelqu'un. Lorsqu'il faut prendre des décisions sévères, il faut le prendre pourvu que dans cette décision ou derrière cette décision, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité. C'est louable. Le sénateur a vu, moi je voulais tout simplement dire ceci. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a fait 18 ans au pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut non plus le prendre à la légère. C'est aussi un père. Vous savez, ces deux personnes, si je peux dire comme ça, s'ils décident mal, nous allons nous retrouver tous dans la forêt. Les deux là, ce sont deux pères. Si aujourd'hui ces deux pères ne se mettent pas ensemble, nous allons tous nous retrouver dans la forêt. Personne ne va rester dans la ville, personne ne va conduire dans sa belle voiture, personne ne va dormir dans sa belle maison. Donc alors, le conseil que je vais tout simplement dire à tous ceux qui les entourent, de penser à l'avenir de notre nation, aux enfants, aux petits-enfants et aux vieillards. Deux personnes peuvent nous faire fuir dans notre ville ici et nous allons, chacun va se retrouver soit dans son village ou chacun va se retrouver dans la forêt. Et alors, cet homme qui nous a dirigés pendant 18 ans, il a l'expérience, il a la force. On a besoin aussi de quoi? De son idée, son expérience dans certaines choses. Donc au fait, nous ne pouvons pas le prendre directement, l'écraser parce qu'il a laissé. Non, non. C'est aussi quelqu'un qui a une idée, qui connaît très bien, il peut être un bon conseiller. En dernier lieu, si ce n'est pas votre temps, il faut attendre le temps. Là, vous vous adressez à Martin Fayoulou. Je m'adresse à Martin Fayoulou. C'est aussi un frère. J'ai dit ceci, vous connaissez très bien ce qu'on appelle le temps. Le temps, c'est le plus grand prophète. Donc, qui ne ment jamais. Qui ne ment jamais. Laissez le temps et les dieux qui donnent le pouvoir. Si telle est sa volonté, vous allez prendre le pouvoir. Pendant ce temps, nous avons besoin de la paix. C'est un message d'apaisement à tout le monde. Mais là apparemment, surtout vos derniers mots ici, là apparemment, on dirait que les dieux, Dieu est le dieu des mensonges parce que selon lui... Dieu lui avait dit qu'il va prendre le pouvoir. Non, il réclame jusqu'aujourd'hui la vérité des urnes, puisque comme il n'est pas encore au sommet de l'État, donc tout ce qui se fait là, tout ce qui se font là, c'est du mensonge. Donc Dieu est le père des mensonges. Dieu n'est pas le père des mensonges, mon frère. Je voudrais tout simplement te dire ceci. On a un David comme roi en Israël. Mais il a fait combien d'années en brousse sans avoir arrivé à Jérusalem? Plusieurs années. Mais avec le temps, il a pris le pouvoir. Donc, au fait, si Dieu vous avait donné la victoire comme étant président de la République, donc vous ne connaissez pas Dieu. Quel que soit le temps, ça peut faire même 10 ans, ça peut faire 20 ans, vous serez le prochain président de la République. Personne ne peut contourner Dieu et personne ne peut dribbler Dieu. Laissez le temps à Dieu. Et Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire. Chemin de la vérité, nous sommes avec le pasteur, le patriarche, le prophète Emmanuel Mouépou de la communauté Famille Genèse, avec qui
Nous parlons de ce grand sujet, hein, l'Église et la nation. Et voilà, l'Église organise déjà 50 jours de prière qui ont déjà démarré. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le thème? Au fait, c'est rassemblement des familles devant l'Éternel. Alors, pasteur, pourquoi 50 jours de prière? Tout ça, on a Banzala. Il y a Covid, ceci, cela. Jour de prière, des jeunes, vous soumettez des gens à des exercices aussi durs. Pendant que ces gens ont faim, n'ont pas de quoi mettre sous la dent, n'ont pas de quoi mettre dans l'estomac. Même l'eau ici devient difficile, l'eau potable devient difficile. Vous soumettez encore à des exercices encore. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? D'abord, chaque jour, nous n'avons qu'une heure, 1h30. C'est de 18h à 19h. Ça, c'est la première des choses. Et vous savez, la force d'une personne, vous avez dit ici, on gère les esprits. C'est-à-dire que nous organisons ce programme, c'est juste pour gérer les esprits. On gère les esprits. Et nous allons les gérer comment? C'est par la prière. La Bible dit prier sans cesse. Comment nous allons arrêter de prier? Au fait, comme Dieu nous a demandé de prier, nous on continue de prier. Et nous avons 50 jours de prière. Mais pasteur, 50 jours de prière, pourquoi 50 jours? Justifiez cela un peu. 50 jours, pourquoi? Mais au fait... Parce que s'il faut prier sans cesse, alors il faut mettre alors 365 jours. Il y a ceux qui ont... Qu'est-ce qu'il y a de spécialité en 50 jours? Il y a ceux qui prient tout le jour. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible nous a donné seulement et il nous a chronométré en termes de timing? Non. Il dit tout simplement prier sans cesse. Lorsque nous avons pris 50 jours, au fait, nous nous sommes dit, par rapport au plan de Dieu, nous prions pour nos familles. Vous savez ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le monde. Il y a des maladies, il y a des fléaux, il y a l'instabilité à tout point de vue. Alors nous nous sommes rassemblés devant l'Éternel. Que chaque personne prie pour sa famille, nous prions pour notre nation et beaucoup plus pour la famille. Vous savez, la nation est constituée par la famille. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Chaque personne, parce qu'on dit rassemblement des familles devant l'Éternel. Chaque personne vient avec son fardeau devant l'Éternel, devant Dieu, et il commence à prier pour ça. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, chaque famille a un fardeau, chaque famille a un problème, auquel si je soumets ça à une personne, la personne va se fatiguer de me donner la solution. Comme vous venez de le dire ici. Vous avez dit que manger, ça devient un problème. Prendre de l'eau devient un problème. Scolariser les enfants devient un problème. Qui est capable de nous aider dans toutes ces choses? Jérémie chapitre 33, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Parce que nous n'avons pas un autre secours, si ce n'est que Jésus. Donc, on vient à l'église une heure. Chacun vient avec son problème et il soumet ça à son Créateur. J'ai un problème dans ma famille. Ça ne marche pas et nous allons tout simplement recourir à Dieu. Pasteur, c'est 50 jours, c'est parti de quel jour pour aboutir à quel jour? Donc, nous avons commencé le 8. Le 8 octobre. Et novembre. Le 8 novembre. On a commencé le 8 novembre. Nous allons terminer ça le 31 décembre. Le 31 décembre, pratiquement 50 jours. Ouais. Avec le thème encore, ce rassemblement de familles devant l'Éternel. Rassemblement de familles devant l'Éternel. Ouais. 50 jours de prière comme ça, les gens viennent, ils prient. De 18h à 19h. De 18h, une heure de prière seulement. Une heure et de après, prière, ils rentrent à la maison, ils dorment. Y a non, pas... non, chacun rentre à la maison. Chacun faire quoi? Rentrer seulement et que Dieu fasse descendre la manne. Non, non. Parce que qui ne travaille pas ne mange pas. Vous avez la... Vous pouvez avoir beau prier. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Vous avez compris que je viens de dire ici, ça commence à 18h. Donc on sous-entend qu'à 18h, à 16h, plusieurs fermes, n'est-ce pas? Des activités se ferment, ainsi de suite. À 18h, c'est là qu'on se retrouve. 1h30 de prière et chacun rentre chez lui. Cela n'empêche pas qu'une personne puisse travailler. Le matin, vous êtes là le matin. Est-ce qu'il y a des enseignements comme ça qui orientent quand même le fidèle à savoir que après avoir prié, s'il faut le lendemain aller chercher, aller travailler et que la main de Dieu
s'impose sur ça. Il y a des enseignements déjà. Vous venez le matin ici, je pense que vous n'avez trouvé personne ici. Vous voyez, vous avez trouvé qu'il y a seulement la sécurité là-bas. On n'a pas la permanence. Vous avez trouvé des gens permanents ici en train de dormir ici? Non. Au fait, chacun est parti chercher. Chacun travaille. Chacun se bat pour nourrir sa famille. Au fait, après avoir prié, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez aller chercher. On dit chercher, vous trouverez. Vous avez la prière. Après la prière, vous avez la deuxième dimension, frapper. Lorsque vous ne frappez pas, vous n'allez pas avoir. Vous ne pouvez pas les avoir. Il faut frapper, il faut chercher. Donc, nous avons mis à 18h, c'est juste pour permettre à chaque personne de finir ce qu'il fait et qu'il vient à l'église pour implorer la grâce du Seigneur. Parce que Jésus-Christ devient notre force pour nous permettre d'aller vaincre et d'aller trouver. Si on ne prie pas, comment on va trouver? Nous demandons à Dieu de donner la force à chaque maman, à chaque papa, d'aller chercher et de trouver. Papa, vous rassurez à tous ceux-là qui viennent participer à vos activités évangéliques, des 50 jours de prière, la solution. Jésus est la solution. Au fait, après les 50 jours, il y aurait une réponse favorable. Ce n'est pas seulement après 50 jours. Pendant 50 jours, nous avons des témoignages. Pendant 50 jours, Dieu bénit. Il n'a pas dit seulement qu'après 50 jours. Non. Si ça ne bénissait pas, vous pensez que ces gens continueraient à venir? Non. Les gens continuent à venir tout le jour. Ce que chacun trouve une solution dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la prière. Donc, priez et Dieu vous ouvre la porte. Et chacun cherche la face du Seigneur. Après avoir cherché la face du Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Et Dieu donne la solution. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, parce que est-ce que ce sont des témoignages faits par ceux-là qui sont attachés vraiment au Seigneur, ou bien des témoignages qui sont faits par des personnes? Bon, Mori Manzambe Zouangarande, comme on l'a vu hein, sur des réseaux sociaux, un petit enfant qui dit, ce qui n'a pas dans l'église, n'a mon dimi. Ce qui n'a pas dans l'Iban, n'a comme l'angam au Pakano. Est-ce que tous ceux-là qui viennent à l'église et qui témoignent, vous en tant que leur berger, vous êtes sûr et certain qu'ils sont réellement des enfants de Dieu qui viennent de bénéficier de la main du Seigneur? Il y a une chose, mon frère, que tu dois savoir, une chose. Ce n'est pas à l'homme de Dieu d'être un thermostat pour savoir si tel ira au ciel, s'il est chrétien et s'il n'est pas chrétien. Un pasteur, c'est comme un cultivateur. Il prend la semence, il fait quoi? Il sème. Vous voyez? Et si tu me dis si tu es chrétien, mais Dieu te déclare que tu n'es pas chrétien. Même le pasteur, vous allez m'amener dans la Bible. La Bible, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit tout simplement que plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, je t'avais servi, n'est-ce pas? J'étais protocole, j'étais intercesseur, j'étais prédicateur. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne te connais pas. Au fait, c'est à Dieu de juger la vraie chrétienté d'une personne. Nous, nous sommes en train de voir dans l'apparence. Mais l'apparence n'est pas et pratiquement et la bonne méthode pour connaître l'état d'âme d'une personne, s'il est réellement converti et s'il n'est pas converti. Mais on peut nous dire qu'on peut connaître quelqu'un par ses fruits. Mais quelqu'un peut poser de bons actes dans l'apparence, mais qui dans le cœur, ce n'est pas vraiment un véritable chrétien. Alors, quelles sont les conditions pour participer à ces activités des 50 jours de prière et jeûne, et les modalités, et que faut-il faire pour être bénéficier de grâce du Seigneur à travers ces... Cette semaine, nous prions, nous allons commencer à manger après 18h. Donc à partir de ce lundi, là c'est une deuxième partie, donc ça sera une partie de jeûne et prière. Donc de 6h au lundi. Non, du mardi au vendredi. Vous voyez? Donc, le programme commence le mardi. Donc, dimanche, lundi, on a pause. On commence le mardi. On termine le samedi. Et le vendredi et samedi, il y a pause. Et là, on se retrouve le dimanche. Alors, les conditions? Il n'y a pas de conditions. Il faut être chrétien converti, il faut avoir une quelconque morale. Si vous avez soif de Dieu, la Bible dit rassemblez-moi des familles. Si vous avez une famille que vous reconnaissez que Dieu est capable de vous donner une solution, c'est juste une condition. Si vous avez la foi en Dieu.
que Dieu est capable de vous donner la solution, venez. C'est ça la condition. Voilà, pasteur, je veux ouvrir une parenthèse par rapport à ce qui s'est passé au sein de l'église du Réveil du Congo. Un petit commentaire par rapport à ça. On a appris que le révérend Jean Bosco Kindomba ainsi que le révérend Albert Kakenza se sont dit de pardon. Mais au fait, c'est pas quelque chose qu'on doit juste qu'on ne doit pas louer. Hein. Je vous avais dit autrefois, on n'entre pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louer? Le fait de se dire pardon, de se demander pardon, pardonne-moi mon frère, excuse-moi si j'avais. Non, je viens de dire ceci. Je n'avais pas fini mon idée. C'est un acte louable que je pourrais dire comme ça. Mais autrefois, je vous ai dit sur ce même plateau que je pourrais dire qu'à ce même endroit, je vous ai dit ceci. L'affaire des hommes de Dieu se règle par leur Dieu et se réglera entre eux. Même ce que vous appelez la division, celui qui les a appelés va souffler à leur cœur de se pardonner et de se mettre ensemble. C'est pourquoi moi j'ai dit à tout le monde, à tous ceux qui me suivent en ce moment, de ne pas en faire un problème ou une propagande de la haine ou des divisions. Nous prions un Dieu de l'unité. Nous avons des parents dont nous respectons beaucoup personnellement. Je respecte le parent, des frères qui sont de l'autre côté, qui sont, que je peux encore dire, dans un autre côté, je suis pratiquement d'avis comme Dieu qui dit, les frères seront ensemble, nos pères seront ensemble. Si nous avons vu papa Jean Bosco et papa Albert Kankenza se mettre ensemble, mais c'est un acte louable. Nous bénissons le Seigneur sur ça et nous disons merci à la sagesse des hommes de Dieu de se mettre ensemble. Et je pense que ça continue et ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu et ce sont nos parents. Voilà, merci beaucoup pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous voulons que vous puissiez vous adresser quand même. Hein, l'église, l'année étant à la fin. Et cette année, elle a été comment selon vous? Bonne? Au fait, malgré la Covid-19, elle a été comment selon vous? Au fait, l'année... C'est le langage de Dieu? Non, au fait, on nous dit seulement quand il y a... Si je disais que c'était une bonne année, c'est le mensonge. L'année n'était pas bonne parce que nous avons perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, nos proches, sont morts. Ceux qui sont à l'étranger, même ici. Il y a ceux qui étaient frappés par la Covid-19. Il y a ceux qui ont perdu beaucoup de biens à cause de la pandémie. Et l'année n'était pas bonne. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons encore comme il nous a donné la respiration, comme il a donné la respiration à mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, que la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Je pense qu'avant le 31 décembre, le Seigneur peut nous surprendre, il peut nous bénir, il peut essuyer nos larmes, il peut essuyer aussi de larmes, toi qui me suis en ce moment. Donc on continue à croire parce que la Bible dit « Un chien vivant, voyez, vaut mieux qu'un lion mort ». Donc, aussi longtemps que tu as encore la respiration, aussi longtemps que tu respires, donc Dieu a la capacité de faire quelque chose pour vous. Donc, on ne regrette pas de commencer comme ça parce que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Si cette année n'a pas été favorable, je pense que ça sera favorable même avant la fin de l'année. Nous laissons toutes choses entre le main du Seigneur et on continue à prier à ce que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur nous. Et ça sera aussi sur vous. Donc, c'est une année que nous allons tout simplement dire que la grâce du Seigneur continue à nous soutenir. Si, sans cette grâce-là, nous n'allons pas marcher, nous n'allons pas respirer. Voilà, pasteur, maintenant, votre mot, adressez-vous à tous ces téléspectateurs. Vous organisez les 50 jours de prière et de jeûne pour clôturer l'année. Adressez-vous à tous ces téléspectateurs qui vous suivent. Et à la fin, vous indiquez aussi l'adresse hein, de l'église. Vous pouvez le convier à venir et participer à vos cultes, le programme de culte.
Ok, pour vous qui me suivez en ce moment, nous avons un programme de 50 jours de prière dénommé Rassemblement des familles devant l'Éternel. Donc c'est un moment de prière et vous pouvez se joindre à nous pendant ce temps. Pour ceux qui sont à l'étranger, continuent à être en contact avec moi et nous sommes en train juste de vous inviter de venir prier avec nous sur l'avenue Masikita numéro 73 en Binzaipen. Si vous êtes dans la province, vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière. Donc vous avez le numéro, vous pouvez nous trouver pratiquement dans les réseaux sociaux. C'est très facile et vous avez le numéro que je vais donner tout à l'heure. Vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière. Et si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez juste venir sur Masikita numéro 73. Pour ceux qui sont dans le Bas-Congo, nous avons nos extensions qui sont déjà là à Matadi, ils ont aussi 50 jours. Vous pouvez aller vers Avenue Badou, vous allez trouver l'église Famille Genèse là-bas. Pour ceux qui sont à Mwanda, vous avez l'église Famille Genèse à Mwanda là-bas. Vous êtes à Boma, vous avez l'église Famille Genèse. Donc, vous pouvez se joindre à nous et nous allons prier pendant ce temps. Nous tendons vers la fin de l'année. Et vous connaissez très bien le plan de l'ennemi vers la fin de l'année. Chaque année, l'ennemi prépare des coups horribles contre les familles. Et il m'a été demandé par Dieu d'organiser un programme pour la sécurité de vos familles et pour la sécurité de vos enfants, ainsi de suite, la sécurité de vos activités, la sécurité de vos affaires. Parce que le diable s'élève avec la colère, il veut finir dans votre famille, il veut finir avec les activités que vous êtes en train de faire, il a besoin de les détruire sérieusement. Et alors, comme enfant de Dieu, comme de chrétien averti, alors je vous invite de venir très nombreux, comme d'autres viennent déjà, et vous pouvez aussi vous ajouter sur ceux qui viennent à l'église. Nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu de se manifester sur vos familles. Donc en fait, c'est ça mon invitation pour vous, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous sommes sur Masikita en Binzaipen, numéro 53. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est 09 9 9 38 001. Ce qu'on peut dire 49 38 001 ou bien 99 99 38 001. Voilà mon numéro. Voilà, merci beaucoup pasteur de nous avoir encore une fois accueillis. C'est comme on l'avait dit, hein, ça a été la première fois, cette fois-ci c'est la seconde fois et ce n'est pas fini, on reviendra toujours pour avoir vos avis, hein, votre lecture en tant que serviteur des dieux prophètes de l'Éternel par rapport à toutes les questions qui touchent la spiritualité, l'actualité, que ce soit politique, sociale, parce que vous êtes des hommes de Dieu. Et telle est la démarche de Chemin de Vérité. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous accompagne. M3 Plus Agency, Connexion Plus 243, qui assure la production de cette émission sur tous les plans. Et on se retrouve prochainement, toujours sur le chemin de la vérité, à la quête de la lumière, de la transparence, sur une question qui nous taraude l'esprit. Excellent suite de programme sur nos antennes. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.